Salutations, comment que ça va? J'espère qu'on m'entend bien et qu'il n'y a aucun problème de son. Peut-être le micro le penche un petit peu. Hop là. Alors comment ça a été là aujourd'hui la journée, tranquille bilou? Rien de spécial. Hop là, bon moi ça a plutôt été cool hein. Journée tranquille. Typé travail comme d'habitude. Et du coup on va voir ce que ça donne hein. Donc du coup là on est reparti sur Resident Evil 4 tout simplement. Hop là. Salutations. Du coup, encore merci pour le soutien à ceux qui sont là. Bon, on a refait un planning de semaine. Ah, merci Costco. J'ai repris le même fond que la dernière fois pour l'ambiance du jeu. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Merde. J'allais dire, on a refait un petit planning pour la semaine là, pour ceux qui veulent le consulter. Il est là tout simplement, ok. Pour ceux qui veulent savoir. Donc du coup, prévu, moi j'ai du Resident Evil 4 pour aujourd'hui, ce qui est normal, du coup tout est prévu, vous aurez Echo sur Elden Ring demain, Echo mercredi également sur Elden Ring, ça va être très amusant, ce sont ses premières fois sur les Dying Retry, on va beaucoup rigoler. J'ai un petit peu de peinture et de dessin jeudi sur ce chart, venez me regarder, ça va être un massacre pour vos yeux, Tesla sur Toph parce qu'on est des malades, des maniaques de Toph. Echo sur Escape Simulator vendredi, il y aura moi, il y aura Flush, sûrement on va s'amuser à sortir de puzzles complètement débiles. Salutations Snow Ragnar, comment ça va? J'ai expliqué le planning de la semaine. Donc là vous avez différents types de jeux sur lesquels on va jouer cette semaine, il y aura de tout. Skyrim, samedi et Quesa. Donc là vous avez quoi? Vous avez de l'horreur, vous avez du Dying Retry, du dessin, du RPG, de l'escape game et de l'aventure en PVP. Donc... quoi de mieux pour une bonne semaine que d'avoir plusieurs jeux et plusieurs styles de jeux, plusieurs catégories. Sur ce, on va directement rush le Resident Evil 4 parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais pas vous baratiner avec le planning plus longtemps. Resident Evil là, bien. Le fameux. la dernière fois on était où? Je vais couper cette musique. Echo sur le Ring, effectivement, tu vois, on a pris en compte... ce que t'avais dit, tout simplement. Et du coup, bah là, on est parti sur Resident Evil 6. 4. Pas le 6. Le 6, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et écoute, tu vois, c'est la première fois qu'il fait un Dying Retry. Et moi qui ai joué Elden Ring, je sais comment ça va se passer. Hein. Vis-à-vis d'Echo, du coup. Ça va être un massacre pour vos yeux. faut que je déplace la caméra. Oui, effectivement. Tac. Hop là, et ouais, attention, on garde les bonnes habitudes. Faut qu'on jongle entre les différentes scènes, j'avais rédigé en note hier. Donc faut qu'on jongle. On était où? On était au château avec la Lolotte, ok. J'appelle comme ça parce qu'elle m'énerve, à un point vous n'êtes même pas conscient. On n'est pas bien. Y'a pas des soins. Léger quoi. 200-300 morts au premier stream sur Echo Elden Ring. T'es gentil mon pote, hein. T'es très très gentil avec Echo, hein. Franchement. Franchement, Elden Ring pour l'avoir fait. Hein. Je sais que déjà au début du jeu il va se taper contre Ekarim, le chevalier à cheval. Le chevalier, tout simplement. Notamment. Il y a ce vote contre le chevalier, c'est certain. Premier try il va se faire one shot parce que le chevalier tu ne peux pas le tuer au début du jeu, il est beaucoup trop tanky. Bah le serpent tu t'es perdu là. Donne-moi 9, s'il te plaît. Merci. Je reprends dans le mal Resident Evil, effectivement. Après, Ashley dans le mal, on s'en fout un petit peu. C'est Léon le plus important. Ah tu vois, Echo il dit que t'es gentil encore, mais on sait que c'est un massacre hein, sur Elden Ring Echo. Hein. Mais c'est vrai, on sait que ça va être un massacre, et pourtant on ne dit rien. Je sais pas ce qui est le plus effrayant. Est-ce que c'est le fait qu'on ne dise rien? Ou est-ce que c'est... on a une confiance absolue en toi et tu vas nous décevoir. Mais ça va, j'ai un petit peu briefé Echo sur Elden Ring, donc ça va... normalement ça va aller, y a pas de soucis. Hein. Normalement ça va aller. Et en plus, cette semaine on a peut-être une petite surprise à voir avec les gens qui sont concernés, enfin avec les gens qui sont chauds tout simplement, s'ils veulent venir avec nous, même vous hein, dans le chat si vous voulez venir avec nous. On va peut-être démarrer un jeu qui s'appelle SCP Secret Labora... Sabora... Voilà. J'arrive pas à dire le jeu, ça va pas aller.
Secret Laboratory, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas SCP, je vous invite à regarder un petit peu sur internet ce que c'est les SCP, c'est très très intéressant comme milieu de jeu. Il y a tout un lore, une histoire dessus, c'est super bien foutu. Et du coup, on va s'amuser là-dessus. Le topo, c'est qu'il y aura des policiers, des prisonniers, des scientifiques et des monstres. Les SCP, du coup, chaque personne jouera une classe de personne, donc un monstre, peu importe. Un petit peu à la Dead by Daylight, si je me trompe pas, je me trompe toujours entre Dying Light et Dead by Daylight. Bien typé comme ça. Et je dirais que... Ok. Et je dirais tout simplement que... on va bien s'amuser. Parce que du coup, c'est le bordel. Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte et c'est super technique. Ça c'est fait exprès, on va se Je vais trop vite, trop maintenant. On croit tous en expérience, Echo, y'a pas de soucis. Et moi je me fais rouler dessus, alors que je suis censé le faire rapidement, ça. C'est chiant. Les rushs ils sont trop chiants sur ce jeu, quand tu rushes pas habituellement. Genre là, sur ce celui-là, j'ai joué sur Wii, hein, je vous rappelle. Celui-là sur PC, je l'ai repris. Le son du jeu est fort par rapport à ma voix. Oh là 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 là. Comme ça peut-être alors. On va rejouer un petit peu au jeu. Merci d'avoir prévenu, Echo. Hein. Parce qu'effectivement, je vois que le son monte de ouf, là. Cosco, excuse-moi, j'ai dit Echo. Non, Echo, il sert à rien. Non, Echo, il l'a dit aussi. Hein. Bon, vous êtes les meilleurs, en fait, les gars, je vous aime. Le mec, il va s'attirer sur rien. Mais dès qu'Echo a pris le jeu, ce sera un carnage hein, sur Elden Ring, hein, faut pas croire. Enfin, un carnage. Pour ses âmes, pas sur les ennemis, hein. Eh, pas à moi, hein. Eh. On me le fait pas moi. Ah, il me court déjà après là. Ah, c'est chiant. Allez, suis-moi, s'il te plaît. On va y arriver. Maintenant. Là, je me fais avoir presque, non? Bah, tu voulais être sympa, Echo. C'est moi qui suis méchant envers toi. Je suis désolé, frérot. Allez, il est où là? Non, faut que je tue le mec là-haut, faut que j'oublie pas. Joue sans le son. Pendant une minute, on avait dit, hein. Une minute, hein. Comment t'es chiant, frérot? J'ai l'air tellement plus stylé sans casque. Pff, tu te dégoûtes. Hein. Pour jeu solo, on avait dit 10 minutes. Bah, dis-moi quand c'est bon alors, Echo, parce que en vrai, je vais pas regarder le temps comme ça pendant 10 minutes. Je t'avais dit en plus que c'était une mauvaise idée de faire ça parce que tu vois, ça me casse la tête. Pfff. Après, bon joueur n'a pas besoin de son, hein, j'ai envie de te dire. Là, je joue à une main, tu sais quoi? À une main, frère. Une main. Alors pour tirer, ça va être plus dur, mais je joue à une main. C'est tellement chiant sans son, putain. T'es même plus dans l'ambiance du jeu, t'arrives plus à jouer. Fais chier, quoi, hein. On était tous... Mais oui, mais vous êtes tous pour cette idée parce que Flush, elle ne stream pas. Shazuki, il ne stream pas. Toi, tu stream du Escape Simulator. Est-ce que t'as besoin de son pour faire du Escape Simulator? Non mais, entre nous, Echo, pas à moi, hein. Vous voyez, je me fais tirer dessus dans le chat, là. Toujours ça tire. Ça tire beaucoup, mais ça parle très peu. Aïe. Ah. C'est chiant. On va y arriver. On va y arriver. Il nous reste un pixel de vie. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Surtout pour les boules de feu parce que je vois pas les boules de feu du coup. Oh, c'est chiant. Allez, ça va aller. Ça va aller parce que Echo m'a mis un défi de 10 minutes. T'as intérêt à me le dire, Echo, les 10 minutes. Hein. Franchement. Hein. C'est chiant. Je suis mort là. T'imagines, il m'embroche son plus manette, ce con. Comment j'aurais pris trop cher pendant un stream. Avoue, tu gardes tout pour moi, Echo, parce que je vois les autres streams, tu mets jamais rien. Quasar, tu lui as jamais rien mis. Moi non plus, d'ailleurs. T'es ça, c'est pareil, tu lui as rien mis non plus. Est-ce que c'est une vengeance parce que je te mets des bruits d'animaux?
C'est quoi, dis-moi oui, je serais même pas choqué. Au contraire, je serais heureux pour toi, mec. Vas-y, go, dis-le. Dis-le que j'ai raison. Wait. Ah, tu prends les tirs gratos. Bah, tu sais quoi, je vais te tirer encore plus. Ok, pas compris le but de... pardonner. Hop là. Donc là, du coup, une balle sur ce mec qui est là-bas. Minutes, j'ai l'impression que ça fait une heure que je suis dessus. Et ah ouais, mais du coup ouais, c'est pas sans son. Je veux dire, si je commence à brancher mes baffes, techniquement j'ai plus de casque, mais c'est sans son, c'est pas sans casque. Ah, ils sont malins, c'est con hein. Resident Elden Ring. Mais tu vois, Echo, Elden Ring, tu ne dois y jouer qu'à la manette. C'est bête qu'il n'y a pas un défi, ne joue qu'au clavier. Tu vois ce que je veux dire. Les bâtards. Je vais faire un truc qui va tout changer au gameplay, vous allez voir. C'est pas grave, je perds des sous, mais je le fais parce qu'il faut. Elden Ring se joue à la manette, Echo. Hein. Ça se joue aussi clavier, mais c'est comme les Dark Souls. Tu n'es pas un vrai joueur de Dark Souls si tu joues manette. Enfin, si tu joues souris. Clavier souris. Hein. Du coup, j'aurais pas le. Ah! Si, si, tu peux jouer sur PC, hein, mais bon, c'est pas. T'as mieux, quoi, on va dire ça. T'as mieux. T'as même beaucoup mieux, quoi. Tessera. Ah ouais, je veux dire CSGO. Tu vois, depuis que j'ai plus le son, je suis fou, et quoi. Tu me rends fou. Pas dans le bon sens du terme, malheureusement. Mon dieu. Du coup, je suis même plus animé parce que j'ai plus, je peux plus me mettre d'ambiance. Ouais, ce qu'il me fait faire, Echo, n'importe quoi. Pour lui, il aurait plus de stream, ce serait pareil. C'est pas que je perds 90% de capacité cérébrale, c'est que je suis perdu dans le temps. Donc. Don't zoom in time, time. Tu vois ce que je veux dire? C'est chiant, c'est chiant. Ah, du coup, faut que j'aille assez vite parce que, hé, déconne, mais là, de mon casque qui est posé à côté, je l'entends la meuf, hein. La meuf, je l'entends de mon casque tout au fond, gros. Là, si je fais feu, ça reset le niveau et tous les zombies meurent d'un coup. Hein. Donc, normalement, elle est censée revenir, tu vois. C'est des bugs de jeu qu'il faut connaître et je connais pas du tout les bugs de jeu malheureusement. C'est pour ça que les mecs qui rush ils vont tellement vite gros, ils prennent des versions qui ne sont pas sur PC parce que PC ça a l'air plutôt clean par rapport aux autres versions. Du style, il me semble que sur Game Boy je crois que c'était, t'as un type, en moins dans le jeu t'as un wagon ok, et genre quand tu rentres dans le wagon, tu vas en ligne droite dans une mine, donc tu traverses toute la mine et ça met un petit temps. Les mecs qui veulent rush le jeu, ils se mettent tout à droite du wagon, ils peuvent passer à travers la map, genre, ils passent à travers les murs tout droit. Donc bah, forcément ça va plus vite. Donc ça peut être un peu embêtant pour eux, quoi. Et toi, je vais finir en 2h30, bah là je suis parti pour un bon moment, quoi. Est-ce que tu as des soins à me donner, s'il te plaît? Oui, deux. Bon, achetez au niveau d'huile, on s'en fout, elle sert à rien. On va suivre nous. Voilà, tout pour nous. Combien de temps, Echo, il reste là? Dépêche-toi de me dire.
Même l'histoire, je l'ai même plus. We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. 3 minutes. Après, 3 minutes, c'est 3 minutes où j'entends pas la meuf crier. Franchement. Après, là, je t'avoue, j'ai entendu un petit peu. Au secours. Alors là, il y a un petit bug à savoir aussi sur le jeu. Il faut prendre l'épée qui est en haut. Ok. Après, il y a des ennemis, je ne les entends pas, mais je sais qu'ils sont à ma gauche. Tu prends l'épée. Ok. Tu reviens au début du niveau. Oh, ils sont déjà là. Putain, ils vont vite cette fois en difficile. Hein. Tu re-rentres. Ils sont tous reset. Tu interchanges l'épée d'en bas avec celle d'en haut. Et c'est comme j'ai dit au début du jeu. Hein. Les mobs, ils sont initiés par map. Donc quand tu sors de la map et que tu reviens, ils sont tous remis. Sauf ceux que tu as tués. Hein. Là du coup bah tu recommences là, ils sont tous réinitialisés, tu mets l'épée, ça s'ouvre et t'es parti. Oui, ce sont des bugs de jeu. Enfin des techniques de jeu, pour aller plus vite. Lewis, sans tuer d'ennemis. I've got something for you guys. What? Oh shit. Allez écoute, dépêche-toi de me dire que c'est fini. Les minutes passent comme des heures. A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Deux. Non, tu trolls, frère. Là, ça fait au moins 5 minutes qu'on est en train de parler, et comment ça, une minute? Yes. Damn it. Non, ouais, pas moi. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get. T'imagines, il juste gratte juste du temps, genre. La prochaine fois, je vais prendre mon téléphone, ok? He's better with the ladies. Là, mec, je vais mettre le chrono dessus. Sure. Et laisse tomber que ça va être beaucoup plus rapide. Why are you? It makes me feel better. À 16, il est 25, mec, donc il reste une minute. Si je sais compter, hein. Enfin, je crois. Wait. Donc, il faut que je la mette entre, la, entre les deux. 24 et 20 secondes. Ah, même ça, gros, t'as bu. Bon ça, je sais comment il fonctionne au niveau, je connais l'emplacement des mobs à peu près. Pas tous, heureusement. Elle tombe. Ouh. À la prochaine manche, je mets mon casque. Arrête, gros, tu sais que je vais pas mourir du jeu, parce que je suis trop fort. La porte elle s'est quand même fermée, non, c'est dur. À la prochaine mort, mais tu sais que je vais jamais mourir, Echo, tu le sais. Oh non. Les défis changent tout le temps, genre. I was starting to wonder when you might notice us. C'est bon. Allez, nickel. Et là, tu remets des points. Bon, laisse tomber, comment je te supprime tous tes points de chaîne, gros. Mon dieu. Ah, c'est bon, l'ambiance directe, là. No thanks, bro. We've got a feisty one. J'espère qu'au moins tu suis le live, Echo, hein, avant de me donner des contraintes comme ça. En deux lives, t'as perdu 35 000 points, gros. T'es bientôt là, il fait gaffe, hein, les croquettes, ça s'use. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent toujours pas, il y a des émotes qui vont arriver dans peu de temps, c'est le temps que Twitch les valide, tout simplement. Il y aura deux nouvelles émotes. Hein. Il y en aura encore d'autres par la suite, hein. Il y en a encore plein à foutre sur le Twitch, mais bon, on n'a pas encore assez de place pour les foutre. Et on va demander... Oui, remboursement, Echo. Et on va demander justement... Enfin, on va demander. On va ajouter cette semaine. Donc ça va commencer à partir de demain ou mercredi, en fonction du temps qu'on a, parce qu'on travaille entre-temps. Sauf Echo, évidemment. Des points de chaîne, ok. Des récompenses de points de chaîne. Donc par exemple, on en passe des exemples types. Des cris, par exemple. Si vous me voyez jouer à Phasmophobia en VR, par exemple, ça vous amuserait, je pense, de m'entendre en... Wait. Ah ! Mais d'un même, évidemment. Un même très aigu. Le boycott, t'as plus que moi. Arrête, 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 arrête. Pas à moi, pas à moi. Echo, tu mens pas. Pas à moi, en tout cas.
Tu ne peux pas me mentir, je le sais, je connais ton quotidien. Dommage pour toi. Mais c'est ça, Cosco. Le problème, c'est que t'es pas assez sur les lives. Et maintenant, on le sait, tu vois, tu viens de le déclarer devant tout le monde. Fais un effort, Cosco. Fais un effort. Oh là 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 là. Lui, il est méchant. Lui, il dort pas beaucoup. Alors, mon but, c'est de toucher le levier pour repartir. Mais avant. Il y a quelques contraintes, évidemment. J'avais oublié. Bon, la chose étant. Je perds beaucoup de temps. Normalement, c'est un one shot au sniper si on joue bien. Parce qu'il est bête, hein. Il est débile, hein. Ils ont zombifié Wolverine, gros. Mais oui. Tout est zombifié dans ce jeu. Ça, je peux trouver éco-zombifié, gros. C'est certain, hein. Tu vois un type endormi qui regarde des séries Netflix, c'est éco. Follow me. Tranquillement, on passe au niveau suivant. Et là, ce monstre est un petit peu chiant. Ah, j'ai eu peur, putain, je pensais pas qu'il serait déjà là. Oh, mais elle est nulle aussi, regardez-la. J'ai eu le temps de faire toute la map et elle est toujours à terre. Bon, je vais tous les tuer, ce sera plus simple comme ça, parce qu'elle est pas capable. Oh là 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 là. Moins 1, moins 2, moins 3. Moins 4, c'est sur les côtés, allez, go, 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 on va vite là. Boum, sur la go. Pareil, allez, boum. Un mort. Allez, pareil, allez, boum. Il fait du catch ce perso, les gars, je vous l'ai pas dit, hein, mais. Attention. Boum. Ah, y'a plus de balles. Allez, hop, boum. Et là, derrière, pareil. Il voulait taper la meuf. Si la meuf se tapait, je suis mort. C'est un peu chiant. Boum. Allez, les gars, c'est chiant. Normalement, si on joue bien et qu'on rush bien, on est pas obligé de les tuer, mais comme je suis mauvais, bah vous voyez, je suis obligé de les tuer. On se pousse. Allez, passe. Vite. Quelle est longue. C'est un petit peu chiant et dur. Hein. Mais ça va, on va se passer de ça. Ils ont enfoncé la porte, c'est bien. Pour en liquider quelques-uns. Ah,
me casse la tête, mais il attrape là. Ah, il la tue! Mais attrape là, fais comme les autres, non? Et quoi, il me faut encore un jeu sans son là, j'en ai marre de l'entendre crier l'autre. On en arrive là, s'il te plaît, fais-moi, enlève-moi le son. Ils sont derrière, c'est chiant. Mais passe! Mais non, mais passe, c'est pas exprès! Allez, viens vite! Et des fois, c'est amusant de voir les gens comment ils sont nuls, hein, mais. Donc, si je lui tire dessus, la meuf, elle est morte. Faut pas qu'elle prenne les balles et les mecs en face, genre. Ce qui est logique, hein. Qu'est-ce que c'est chiant! Ah, si je me livrais, elle meurt, donc c'est pas. Ah, j'ai la peur, celle-là aussi, hein. Dépêchez-vous, j'ai quelqu'un à les sauver, là, elle m'énerve. Ah. Allez, on y arrive, on y arrive. Bah, t'es qui toi? On s'est jamais vu là. Allez, meurs, s'il te plaît, c'est chiant, putain. Elle va se faire enlever. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. S'il te plaît, Ashley, dépêche-toi, vite. Wait. Je vais me heal plus doucement. Il me reste encore pas mal de munitions de pompe, surtout faut que je m'achète un fusil à pompe, j'aurais pas dû le vendre au début, je me souviens contre le géant, j'aurais pas dû. Follow me. Allez, on tente quelque chose. C'est pas grave, on passe. Ils sont beaucoup trop. Elle est morte. On va y arriver. Je pense, c'est quoi? On va juste tous les liquider et pas essayer de rush le jeu. Mais ça consomme beaucoup de munitions, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'il faut. Allez, on est parti pour un tour, on va tous les tuer. Moins 1, moins 2. J'ai pas pu faire la collate, merde. 3, 4, là-bas 5, 6. Ça spawn, allez vite, ça spawn. Oh, je rate tout, je suis nul. Là du coup, on est bon. Ouais, deux balles. Ils sont nuls là. Ok. Là, ce qui est un petit peu bête, c'est que mon perso ne veut pas faire les quick-clicks comme j'ai vu avant quand j'étais par terre. C'est pas les quick-clicks que je veux faire. À la place, c'est que des Baptistes à bombes. Il reste que lui qui a un petit peu de temps d'utiliser. Le beau, le beau. Vous allez voir, quand il n'y aura plus haché, ce sera plus simple. Non, tu ne tapes pas. Niveau là, c'est les plus chiants, franchement, c'est triste, hein. Le problème, c'est que si ce truc là me touche, je me fais one shot en fait. Peu importe ce qui se passe, je me fais one shot. Merci. C'est bon, y'a plus de monstres. Si
tiennent encore sans déchuchoter. Pour les boucliers, sniper. Est-ce que petit sondage vite fait là, qu'est-ce que vous voudriez voir d'autre sur la chaîne? Parce que nous on peut proposer de tout, on a du dessin, du verre, de la musique, ok. Ah, ils sont là aussi, ouais. Ah, de la musique, un peu tous les styles de jeu en souvent, il n'y a pas forcément de type prédéfini. Ouais, il était perdu le titre. Passe vite, merci. Ouais, c'est des alertes là que vous voulez voir, des sons en plus, si vous voulez des alertes en plus, n'hésitez pas. Hein. C'est quoi, j'y pense même maintenant là. Il y a un mode sur Twitch qui permet de mettre des sondages dans le jeu. Pourquoi ne pas mettre de sondages? Pour une boîte à tout simplement. Une boîte à idées, c'est comme ça que ça s'appelle, mec. Une boîte à idées, hein. C'est un mode que tu rajoutes sur Twitch et genre sous ton affichage, tout simplement, t'as une boîte à idées qui pop et les gens peuvent donner des idées. C'est plus d'une boîte à idées. Que ce soit là-haut quand même, sinon ça va me faire chier. Non, ça... Mais j'ai laissé tout seul. Tout seul. C'est vrai qu'elle était pas capable. J'avais oublié. Oh, un shield. 100 balles de sniper, c'est dur. Hein. Il veut juste passer par moi pour la faire remonter à la porte. C'est que je la tue pas, quoi. Arrête de te mettre à leurs pieds, s'il te plaît. Tu vois, ils spawnent à l'infini, les mobs, hein. Non. Merci. De munitions, de rien du tout, c'est chiant. Ok, celle qui va le tourner parce qu'elle ne sert qu'à ça. Là, il n'a pas trouvé. Je vais te trouver, Echo, il n'y a pas de souci. J'en ai vu sur d'autres streams, c'est pour ça que je dis ça. Bon, ça par contre, ça va être chiant, il va me le mettre maintenant. On va y arriver, on va y arriver. On peut y arriver avec une bonne équipe préparée. Oh. Le problème c'est que la chaîne n'est pas préparée en fait. C'est de là qui vient la plus grosse thématique. Là, je me dis il faut quand même que je vienne un peu parce que si elle prend un coup elle meurt et c'est chiant. Look! Bon, c'est clairement l'un des moments les plus chiants du jeu avec le village au début, hein. Ça je vous rassure, c'est direct, hein. Il n'y a pas besoin de justifier, ça se voit tout de suite. Sauf quand on pense à chier, on pense à chier. Hein. Désolé à toutes les HL du coup, hein, qui regardent ce stream. Personne. Il n'y aura pas beaucoup de plaintes au bureau des plaintes, Echo, t'inquiète. Comme disait Jimo. Vous visez des petites communautés, ils peuvent pas se venger en fait. Comme les pandas. Ah,
J'ai trop de problèmes, meuf. Arrête de me créer des problèmes. Oh, il va être rentré sur le même endroit. Oh. Faut que j'utilise le RPG. Non, quand même pas. Hein. Ça coûte trop cher un RPG pour être utilisé là-dedans. Après, est-ce que les mobs vont pas reset? Parce que justement, ceux d'avant vont disparaître parce qu'ils sont pas censés être là. Elle est chaude à crier, c'est pour ça. Après, je te dis, écho, quand mon casque était enlevé, je l'entendais. Tu crois ça? Et tous les mobs derrière, ils ont respawn. Donc ça déjà, c'est un très... Enfin, ils ont disparu. Donc c'est un très bon point. Ah, déjà? Faut vraiment que je rachète ce putain de fusil à pompe. Allez, arrête de crier, ça va aller. Après, je défendrai un minimum, tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais là, c'est zéro défense, hein. C'est que je crie tout le temps. De gérer tout en même temps là, putain. Non, il s'est baissé. Non, je prends un coup. J'ai encore de l'huile, ça va. J'ai plus beaucoup de munitions. Là, j'ai un point, il y en a un deuxième à faire tomber aussi. C'est chiant aussi, ça. Et comme je dis, c'est l'une des zones les plus chiantes du jeu, donc ça va aller après. Hein. Ça va. Allez, ça tourne. Le pire, c'est que c'est pareil, quoi. Hein. Pour descendre, c'est moi qui dois la ramasser, en fait, mais, hein, vu comment je la prends. Hein. J'ai quasiment plus de balles, hein. Niveau 8, ça va être compliqué à l'aider, hein. Si haut. Bientôt fini, là. Faut jouer avec les plateformes pour lui faire patienter. Hop. Toi à terre. Je la rattraper, tu vois, c'est écrit. Ramasser. Allez, on y va. S'il te plaît, cours. Merci. C'est pas ce que j'entendais par courir, s'il te plaît. Allez, cours! S'il te plaît, cours! Dépêche-toi! Une fois dans le jeu! Oh là là! Une des scènes les plus dures du jeu, pour ça. Après, les boss en jeu, ils sont pas durs parce que c'est un coup de bazooka à mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais le bazooka coûte 30 000 pièces, donc je save mes pièces pour après. C'est pour ça que je n'améliore pas mes armes. Ou très très peu. Ah,
Ah, je sais qu'il y a une grenade incendiaire dans le la vitrine là-bas. C'est pas celui-là, c'est de l'autre côté. Mon dieu! Bon, comment s'est passée la journée, tous ceux qui sont là, là? Il y a une personne qui a raconté tout à l'heure. Comment s'est passée la journée tranquille au bilou? Ah, c'est une grenade normale, pas incendiaire. You're right? I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Ça fait 30 fois qu'elle nous tue pour faire ça, hein. Bien, mais elle est ingrate, genre. Et puis là, c'est pas cramé en plus, hein, dans ce jeu-là, regarde-moi ça. Oh, comment c'est possible? c'est chaud, hein. Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Écoutez, elle est trop bête et ingrate, frère, donc c'est pas facile de la faire fonctionner, hein. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. L'objectif c'est de faire au moins la fin du château et la base militaire la prochaine fois ou finir la base militaire aujourd'hui, mais ça m'étonne. Après Costco, c'est un jeu qui date de 2013, je crois, 2014. On pouvait y jouer sur la Wii et sur la GameCube, si j'ai compris. Donc, les graphismes ne sont pas là, mais il devrait être remake fin d'année ou année prochaine. Et je le prendrai directement parce que je joue Insane. Sauf Ashley, Ashley est nul. Genre, le jeu est là, et à cause d'Ashley, ça descend un peu, tu vois. Mais il faut forcément un perso nul. Au moins, ça sera se débattre un minimum. Genre pousser, tu vois ce que je veux dire? Non, là, c'est à terre. Je bouge plus. Genre. C'est pas image, on dit comment? On dit statue. On se dépêche, on fait le jeu. Le plus vite possible. Mais c'est juste si mauvais. La porte, ils n'ouvriront pas, ça c'est pas un problème. Il y a trois voisins qui vont m'attraper. Voilà, comme d'habitude. On a one shot, non? Oh. Chier, je suis trop bête aussi. On va recommencer tout le niveau, je crois. Hein. Oui. Mais au moins, il n'y a plus Ashley. C'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'il faut se dire. Oh, c'est dégueulasse de dire ça. Là, sur ce niveau-là, ça se joue beaucoup au son parce qu'ils sont demi-invisibles. Vous voyez, au fond, on voit juste une petite fumée, là. On voit pas le monstre, alors qu'on sait qu'il est là quand on est... Ils sont invisibles. Enfin, transparents. Ah, il est au-dessus! Je me fais avoir à chaque fois, ok. Bon, moi je sais où il est. Je vais créer une flash la prochaine fois. La game elle est free, les gars. Une flash, on n'en parle plus. Et sur le retour, je prends un heal et on est bon. C'est quoi, j'ai pas un heal maintenant, une petite herbe? Allez! Ce qu'on rappelle dans ce jeu, les développeurs ils aiment bien les herbes. Dans tous les Resident Evil, pour se soigner, c'est des herbes. Et dans le 6, pour se justifier, ils ont mis des pastilles. Genre, avec des herbes, tu fais des petites pastilles, des petits bonbons. Herbe verte, herbe rouge, herbe jaune, ça n'a pas changé, c'est toujours des herbes. Ils ont fait un petit tic-tac donc ils sont contents. C'est vachement mieux les tic-tac que des herbes, hein. Pour le coup, niveau technicité, c'est mieux. C'est bien ça.
À une main toujours. Là par contre. Il est pas plage, c'est honteux. J'ai gagné un trésor, bon ça va, je récupère des sous. On va mettre une petite plante. J'ai vu. Bon, je vais mûr, bon. Hop. J'ai fait un petit bond. Mais comme j'ai la touche qui est presque pré-appuyée entre guillemets, parce que quand vous êtes dessus, vous pouvez les repousser avec un coup de pierre. Ça aide. J'ai l'impression d'avoir tué personne, hein. C'est juste de l'esquive et de l'avancement. Oh, celui-là par contre, je le sentais je le sentais pas le dernier. Je suis passé en me disant je suis mort. Mais ça va, du coup, ça a été. Et je voulais faire une blague, ça c'est Cult of the Lamb, mais c'est plus la blague que je voulais faire. Si je leur parle du culte Tanuki, du Tanu Cult, je pense qu'ils vont me reconnaître. C'est fou. Ça c'est bien visé. Il devrait en rester qu'un, c'est le rouge, effectivement. Et avant qu'il s'enfuit, je vais le massacrer. Ah. C'est le moment un peu chiant. Bon, je suis décidé, hein, je prends un fusil à pompe dès que je peux. Par nécessité. J'ai trop de balles de pompe, j'ai même plus de balles de pistolet. Sauf que là j'ai mon RPG donc pour l'instant j'ai pas de problème avec ça. Le prochain boss c'est one shot, je vais récupérer 30 000 balles avec les récompenses que j'ai en item bonus, en trésor. Donc ça va, on est bon, hein. On a deux bazookas là. Ça me consomme une balle mais c'est pas grave. Hello. Merci. Ah là 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 là, on avance tout doucement le jeu, mais on avance. Welcome, welcome. Got some rare. What are you selling? Is that all, stranger? On a pas tué de mobs dans les égouts, du coup on peut pas incruster sur l'item, mais c'est pas grave. Juste prendre un pompe. Hop, là du coup j'ai récupéré 45 balles de fond à peu près. Tout c'est cette que j'ai dedans. Je suis trop bien hein, en pompe hein. Si y a un mec qui m'embête, brac. Les notes, non. Il y avait des pieds sur les côtés mais c'est pas très grave. C'est juste que je tue lui. J'ai plus de balles de sniper. Oui, allez, ça. Oui. Donc là, on va descendre, il va monter. Juste avant, je vais faire ça. Ah, laisse-moi faire. Non. Mais non. Je suis trop nul. Elle lui tire trop vite avec son arbalète. S'il a le temps de tirer. Après, il y en avait deux. Je suis une mauvaise foi. C'est là que la vérité fait mal, c'est quand tu te dis oh, en fait j'ai de la mauvaise foi de ouf.
fois pas de lit, hein. J'ai bien voulu prendre un petit peu d'air, mais j'ai pas la vie assez basse, là. Elle est basse, mais pas sa mouille. On est bien basse. Le tir servait clairement à rien, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que si je descends là, il va monter. Ah, oh, vas-y, passe. On prend pour le prochain lance-roquette, on prévoit, hein. Vite par contre, hein, ça faut pas oublier. Allez, s'il te plaît. Il va me tuer, ça. Voilà, je m'attendais déjà à ça. Ah bah non, c'est mort, je sais pas. Oh, je suis si mauvais. La vie, j'y arrive tellement bien, mais pas assez bien, malheureusement. Tu sais, avec 0 HP pour tuer un mec au RPG, enfin au minigun. Ça va être dur, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour passer au niveau suivant, il me faut la clé qui est autour de son cou. Je peux lui dire bonjour, frérot, est-ce que tu prends la clé? Et ça me ferait chier d'utiliser le RPG pour ça en fait. Mais j'ai plus de munitions, de rien du tout, pas de sniper, rien. La porte traverse pas, hein, normalement. Je veux pas. Faut que je le chope avant qu'il monte dans son minigun. Généralement c'est qu'un sniper mais j'ai plus de balles. Sinon faut que je joue au lance-roquette, mais ça me ferait chier de jouer au lance-roquette ce gars-là. Moi bon, je vous le dis direct, hein. À moins que je chope quand il est en haut. Ça, du coup, ça me fait claquer masse munitions de mitraillette, hein, faut que j'y pense aussi. Hein. Ça me fait éviter tout le délai de son transport, hein, simplement parce qu'il va se déplacer sur la map. Faut aller vite. On se cache dans le coin, hein, il est pas con. Ils sont bien foutus les PNJ dans ce jeu. Hein. Ah, comme je dis, ce moyen c'est le RPG, non? Je suis venu, c'est difficile de. Bah, c'est ça, mais c'est pas tout de parce que justement, les finis en QTE c'est trop fort comme mécanique, mais là, avec celui-là en rouge, c'est dur, il va trop vite, je peux pas me permettre de faire ça. Parce que moi j'ai envie de rush le jeu, tu sais, en mode full esquive. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Parce que là pour l'instant, la moitié, voire trois quarts du jeu, je l'ai fait en full esquive. J'ai pas tué tant de mobs que ça. Si on regarde sur les résumés de game. Sauf que là, celui-là en rouge, il commence à me rendre fou parce qu'il faut vraiment que je tue. J'ai pas sniper donc ça m'emmerde. Faut que je les ai mis là avant qu'ils bougent, mais faut que je les tire dessus à 100%, faut pas que je me loupe. Non, les balles passent à travers, je peux pas le tuer comme ça. Ah si, sniper, merde, mal vu. Vas-y, si, il me donne des balles. Ils sont malins. Hein.
Ça emmerde, à peu près j'ai beaucoup de vie ou pas, bah, je suis quasiment... Bon, c'est pas grave, ça je vais le jeter parce que 14 balles sur 30 c'est pas beaucoup. C'est triste mais c'est pas grave, je vais le jouer. Si je veux que ça fonctionne bien. Bah, c'est pas une question que c'est plaisant, c'est que je sais que si je fais en full combat, je vais mettre au moins 10, 11, 12 heures facile. Et je sais que je tiendrai pas en stream 10, 12 à 13 heures sur Resident Evil, c'est certain. Et j'en suis désolé d'ailleurs. Il est déjà parti? Oh là oui, il me regarde. Non, la première fois que je l'ai fait Resident Evil, c'était vraiment en full tuer les zombies. Hein. Deuxième fois, je l'ai fait en full esquive, mais c'était en normal. Et là, demi-esquive, demi-rush, parce que je peux pas me permettre de tout esquiver, ils sont trop nombreux. Oh, je suis si mauvais, laisse tomber. Si, il va vite toucher le minigun là. Ah oh, là, 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 là là. On parlait juste de le foutre à terre, j'ai pas réussi. Attends qu'il prenne son minigun là tout doucement. My bad. On dirait un épisode de Looney Tunes. Vas-y, ouvre la porte. Vas-y. Non, non, faut pas que ça non. Pam, pam, balam, pam. Ok, pas lui. L'autre il est pas encore dans son minigun hein, il attend que je sois vraiment en bas. Il va l'aider dans quelques secondes je pense. Maintenant, bien. C'est le moment dur et chiant. Il est en train de tout casser. On va faire le maximum, je pense. Peut-être que c'est pas suffisant. Si ! 3 têtes c'est assez du coup, ok. J'apprends. Pam 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 pam. Au pistolet on a récupéré quelques munitions, c'est cool. Pompe on a vidé un petit peu, normal. Heureusement d'ailleurs parce que c'est trop, 45 munitions de pompe. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et là on s'en va bientôt dans le jardin. Ouais c'est ça le jardin. Si j'ai pas de bêtises. Pom 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 pom. On a combien de sous là? 89 000. On a le droit à quasiment 3 RPG. Ça fait 3 boss en moins, plus leur loot en plus de 15 000 pièces, quelque chose comme ça. Alors ça on va récupérer parce que c'est gratuit. Ça va 2500 pièces. Alors il faut faire 6 morts sur les panneaux. Il me semble que c'est comme ça. Bien. Ça j'ai encore quelques souvenirs. Et vous, c'est quoi votre Resident Evil préféré? J'aime pas poser la question. Oh. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will.
Pour ceux qui veulent connaître l'histoire entière, je vous invite à regarder justement les résumés du jeu. Ou le lore de Resident Evil en général, parce qu'il y a plein de notes dans le jeu. Plein d'autres dans le jeu qui permettent d'apprendre plus sur le lore. Que je prends rapidement, je ne prends pas tout simplement. T'as pas fait le 8, mais le 2 remake est vraiment propre. Le 7 est bien, mais voir avec Leon et compagnie. Comme tu le dis. Le 8, le village, c'est ça le 8? Franchement, il est excellent. Je pense que c'est. Bah, comme j'ai dit, avec le 4, c'est l'un des meilleurs. Bon, toujours pareil en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on préfère. Ça change, hein. Moi, je sais que c'est un... j'ai un peu plus de mal avec le 6 que les autres, parce que le 6, ils mettent tous les persos d'un coup, et puis bah. J'ai pas activé le bouton, oh la bête. Je mérite en vrai, j'étais débile. J'ai pas appuyé sur la porte alors que c'était à côté. Pourquoi c'est si facile? Et en vrai, question là, pour ceux qui sont vraiment fans du jeu, est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'ils disent? Est-ce que ce qu'ils disent dans le jeu, les zombies là, c'est vraiment un truc qui existe ou pas? Parce qu'ils parlent espagnol, j'ai cru comprendre. Oh, excuse-moi. Parce qu'il n'y a aucun modérateur sur le stream, donc forcément c'est moi qui modère en même temps. 5 et 6 sont partis en couille, voilà, c'est ça. Le 5, je n'ai pas joué, mais je sais que c'est en Afrique. Et j'ai vu le gameplay, j'ai fait ah. Par contre, chose intéressante, c'est qu'ils ont introduit le multijoueur dans le 6. Dans le 5. A partir du 5, il y a le multijoueur dans le jeu. Avant, il n'y avait pas de multijoueur. Même si c'était mal foutu le jeu, hein. C'est quand même une très bonne mécanique qui a été introduite. Et je suis très fier d'eux pour ça. C'est bien. Par contre, les RPG ils tirent quand là? Non, bah non. Oh, l'animation, merci. Qu'est-ce que... Merci l'animation. Parce que quand tu es dans ce jeu là, toutes les animations cancel les damage. Ils prennent un coup, ils meurent. Ah non, plus de 1 coup. C'était super, ça va être 2 coups peut-être. Donc là, le but, je rappelle, c'est récupérer les 3 ornements. Chèvre, lion et serpent. Là, pour l'instant, on a la chèvre. Il me semble qu'on a que la chèvre, de souvenir. On récupérera les autres plus tard. Hop, checkpoint. Ouais, on a que la chèvre pour l'instant. Ouais, la chèvre. Je réfléchis parce que je perds très vite la mémoire dans ce jeu. Et là on va arriver au jardin, comme on avait tout à l'heure. Ça on va récupérer parce que c'est cool. De l'argent gratuit. Même si c'est pas beaucoup, on prend pour les RPG. Bon, si on n'a pas encore besoin d'utiliser les RPG sur les boss, c'est après que ça va être très important. Par contre, besoin d'une petite confirmation. Ici c'est seulement pour Ada, on est bien d'accord, que je fasse pas de bêtises. Hein. Parce que à chaque fois je passe devant et je me dis c'est que pour Ada qui passe au grappin à la fenêtre. Voilà, pour revenir avec Ashley peut-être. Mais bon, je pense pas que c'est worse pour le loot qu'il y a là-dedans. J'ai dû le faire une seule fois avec Léon ou avec Ada, je sais plus. Il me semble que c'est des munitions avec des grenades. Et capote. Un trésor. Qui valait 10 000 je crois, un truc comme ça. Bon, c'est bien 10 000, hein, c'est énorme. Mais bon, pour tout le parcours que tu fais... Donc là, il y a un labyrinthe, ok. J'ai passé la cinématique, je suis trop con, j'aurais pas dû. Au secours, excusez-moi les gens, excusez-moi. Celui-là, je laisse. Et les autres aussi, du coup. Mr. Kennedy, still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Ouais, c'est une belle demeure, hein. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets.
Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? J'avoue, deux. If one's Lewis, who's the other? Huh. Ashley. Besides me. Non, pas Ashley, j'espère pas. Là, les gars, ça va chier. Déjà, quand tu ouvres une porte comme ça et que tu recharges le fusil à pompe avant, tu ne peux que gagner en badassitude. J'ai un petit peu peur parce que d'habitude, ils spawnent pas ici. Tout doucement, il a mes pieds. La prochaine sortie au rond-point. Trop loin. Oh oh. Il est trop tard. Bon tour. Ah mon dieu. Touché, non. Heureusement qu'il est pas contre ça ton chat Echo, hein. Mon dieu. Mal élevé. Non mais oh. Alors, il y a une sur la statue derrière le pont. Effectivement, le pont, fallait que j'aille tout droit. Ouais, après il y a la fontaine, oui. Bon, ça y est, je me souviens à peu près du parcours. Vraiment à peu près. On va y arriver, pas de soucis avec ça. On passe la radio parce qu'on l'a vu juste avant. On est reparti pour un tour. Voilà. Et là, c'est pas ma guerre. Allez, c'est parti. On a du bruit à gauche. Voilà, l'animation ça cancelle. Salut Quesa, comment ça va? Déjà, la petite n'a pas fait celui-là. Oh, bah du coup, j'ai pas le soin. Ah, ça va bien avant de me faire manger par les chiens. Et toi, comment ça va la journée? Ça a été tranquillou? Pas ce côté-là, mais c'est pas grave. Ça va tranquille, bah c'est parfait, mec. T'as fait un peu de GTRP aujourd'hui, du coup? J'ai eu, hein. Ah, c'est bien passé. On revient toujours sur la même question, c'est nul. Ah, faites un effort, les gars. C'est vrai que c'est particulier parce qu'on ne traverse pas les buissons. On a fait un petit peu de tri là dans toute la garderie. Et dans la jardinerie également. Ah ouais. Après, j'étais en stream, c'est encore autre chose. Et là, le RP c'était pendu sur toute la serveur, hein, tout simplement. A toi de voir, mec, si tu penses pouvoir le stream ou pas. Porte lui depuis tout à l'heure, il sait quand même pas. Ça fait déjà 100. Ouais, non, 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 c'est mort, quoi. Ah non. On va aller.
capital maintenant. Un plus normal, il tourne un patch. Écoute, c'est modé, hein. C'est modé, malheureusement, on peut pas faire autrement. Je me balade dans le jardin magique, c'est pas un magique que je suis en train de chanter, là. Je dirais que c'est son animé par un magique. Où est-ce que je dois aller? De l'autre côté. Oh, c'est chiant, j'ai tué tous les méchants. Alors que normalement c'est censé être un demi-rush. Ah, il y en a encore. Wow! C'est bon là, le chien! Wow! Il va me tuer maintenant? Oh, c'est nul d'en faire spawn un là! Ouais, c'est moi qui fais un mauvais passing, hein. Un très mauvais passing! Faut que je trouve plus opti. Hein. Enfin, encore plus opti. Hein. Soit c'était pas ouf. À chaque fois, je vais me retrouver là. Il faut que je passe à droite directement. Hein. Moi, à chaque fois, je vais tout droit. Hein. Le con. Alors, parti pour un tour avec le fusil à pompe. On passe la radio. Et là. Troisième fois. C'est parti. Cette fois, c'est la bonne, je vous le dis. Là, j'ai cartographié la map. On est bon. Hein. À gauche. Encore là-bas, première à gauche. Hop, hop, hop. Mais dès qu'on peut, direct à droite. Voilà. Là, ça fait une place. Il nous faut la deuxième place qui se trouve à l'autre bout. Là, déjà, on compte c'est Lou qui est derrière nous. Ça, c'est la sortie. On va s'en aller par là. On va les recroiser, ils vont nous retrouver. Hein, c'est pas grave. Ah, vous voyez, ils vont nous retrouver. Deuxième plaque. Et là, c'est le moment un petit peu chiant parce qu'ils vont nous défoncer. Ils sont mille, il y a des tigres derrière moi. C'est des chiens, on dirait des tigres. Allez, on sort de cette de ce jardin. Pas très beau d'ailleurs, ils auraient pu en faire la déco. Hein. Franchement. Ok. Introduction d'un nouveau personnage dans le jeu, attention. Whoa! Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Whoa! Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Elle a enlevé ses lunettes, ça y est, il a reconnu. Ada. Mais je t'ai pas reconnu, t'avais tes lunettes. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Wesker, c'est un méchant au passage. What's it to you? C'est un gentil qui est devenu méchant. Why are you here? Why'd you show up? Il travaille pour la société de ceux qui transforment les gens en zombies, ok? See you around. Ada. D'ailleurs, au passage, la fenêtre n'était pas ouverte quand on est arrivé. On est bien d'accord, hein? Oh la 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 la.
Là maintenant la fenêtre est ouverte donc on peut passer non? On peut même pas. Perso il a pas envie. Écoutez. Got something rare, stranger? Welcome. Welcome. Got some rare. What are you selling? What are you buying? Is that all, stranger? T'as toujours le bruit de flush, hein. C'est vrai qu'on va devoir incorporer ça au jeu en plus. Enfin, au stream. What are you buying? Is that un petit peu plus grand, parce que ça fait tout le bordel pour tout ranger. Après, j'ai pas besoin de plus, hein, si du soin. Come back anytime. Le reste, je save pour les boss parce qu'à la fin du jeu, les boss ils succèdent donc. Il faut ma sous quoi. Prochaine fois, j'y vais aux pompes sur la serrure. Parce que les mecs avec leurs griffes, ils n'entendent qu'au son. Hein. Enfin, ils ne jouent qu'au son. Ils n'entendent qu'au son. Oui, merci Martin. Ils ne jouent qu'au son. Ils voient pas. Ah, j'ai mal jeté. Du coup, ce dehors il me défonce. Non! Je fais tous mes soins, c'est nul ce que je fais. C'est nul, il faut que je touche mes deux flammes, enfin mes deux grenades incendiaires. Je voulais faire le truc en un jeu, enfin... Quand je me doute, enfin quand je me dis que le premier stream je voulais le faire en 2h30 et qu'on en est là aujourd'hui, j'en ai perdu ma tête. Vrai. C'est un move à en perdre la tête. Bien vu que ça. Ils sont chiants ceux qui sont autour là. Arrêtez! Mais ils sont trop chiants, tu peux même pas jouer! Oh! En plus j'ai pas de grenade flash donc je peux leur dire arrêtez pendant 30 secondes genre. Et là y'a aucun counterplay genre. Oh! Je vais pas sortir ça maintenant, j'en ai besoin pour après moi. Bah ouais! C'est quoi, j'ai d'abord liquidé ceux qui sont autour. Ok, il va peut-être me courir dessus tout de suite. L'animation n'est même pas encore partie, il m'a déjà coupé la tête. J'en tombe des nues. Ouais. Je l'ai dit, j'en tombe des nues. Alors peut-être d'abord les mecs autour, encore une fois. Bien vu. Oh!
laisse-moi sortir, s'il te plaît. C'est chiant. Laisse-moi sortir, gros. J'ai tapé la porte deux fois, il m'a pas proposé. C'est chiant. C'est chiant. Une flash, on n'en parle plus, mais j'ai pas de flash. C'est comme là, une roquette, on n'en parle plus, mais je veux pas utiliser ma roquette maintenant. Attendez, je fais un calcul des boss là que je vais faire. Je vais utiliser ça plutôt. Ok, comme ça je reset les mobs. Et si y'a personne, je récupère des ressources. Et quand je vais y retourner, je vais passer facilement. LOL. Ils sont disposés un petit peu partout. Surtout pour l'instant, il n'y a pas mes clics écrits. C'est lui d'hier. Et le trésor aussi. Bon. Joue au son, rappelons-le. Il faut que je le tue pour sortir, donc ça va être un peu plus chiant. Hop, ça. Un petit coup de l'incendie et puis on en parle plus. Il est parti. Ah frérot, je suis là, reviens. Bah. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah il est mort, 2 balles de pistolet, ça y est. Ah ça hein. Ah j'étais pas possible de le tuer pour passer. Mais non. Oh le con. C'est pas grave, ça fait 15 000 pièces en plus. Là-dedans, je récupère un autre lance-roquette, mais j'aurai pas la place. Faut que je commence à trier mes items juste après. Hein. Nécessaire. C'est pas du tout le bon moyen de passer sans les tuer. Je pense que je dois en tuer quelques-uns quand même, et je pense à Snow Ragnar pour ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Je suis pas foutu de passer en esquive, je dois les tuer. D'accord, c'est bon. C'est bon, je l'ai dit. Juste les faire tomber, ça suffit. Hein. J'ai tué parce que je pense direct à mettre une cartouche à mort, mais... Ah, il y a des mécaniques pour esquiver les carreaux, hein, l'arbalète. Mais je me trompe pas parce que je suis au mieux. Alors là, du coup, c'est le moment où on va faire du grand trick.
En plein milieu du combat. Ouais. Ça. Non! Arrêtez, je suis occupé. Ça, ici. Là. On va tout placer en dessous, comme ça, ce sera plus simple pour gagner masse place. On peut en foutre deux, hein, mais ça va être très très limite. Ici, là. Ok. Moi, ça va rentrer. Non, ça va pas rentrer. Si, ça va rentrer. C'est bon. Deux lance-roquettes. Ça, c'est très très bon pour le business. Ça, je vous le dis tout de suite. Faites passer le cadenas là, faites péter. On passe. Laissez-moi passer. Mais c'est chaud ça. Même ça, c'est pas capable. Oh là là. Laissez-moi passer, mon dieu. Mince. On avance, on avance, on avance. Ouf. Leon, I got bon, deux lance-roquettes, ça fait deux boss gratuits. Ça fait penser au piqué qu'ils avaient au début dans le village, ça. Hein. Caché direct. Now that I have the sample, il y a plein de blagues à faire là-dessus, mais je vais pas les faire. Sadler, my boy Salazar, will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lois. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. Comment tu veux le sauver là? Il est transpercé, il n'y a plus rien. Sadler took it. You have to get it back. Ça, ce serait jamais s'il avait pas oublié la première fois quand il est venu nous voir. Il a fait oh, j'ai oublié quelque chose. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Parce que là, du coup... Ça serait bien pour la suite. Mort du perso, on a 34 morts pour l'instant. 34 morts. Ça va pour un pro, hein. Enfin, en pro, pas pour un pro. Attention, ne vous trompez pas. Ah, on entend la chambre. Non, les mauvaises nouvelles reviennent. Il y a notre pote qui est mort et il y a la meuf qui est revenue. Double mauvaise nouvelle, boum, double peine. C'est reparti pour un tour. C'est reparti. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, un petit peu de pistolet. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tais-toi, tais-toi, s'il te plaît. Comment elle est énervante. Oh. Arrête. Mais pourquoi tu mets tes mains dessus? C'est encore plus dangereux. Talk about near-death experience. Et voilà, premier effet, ça se met à genoux à couper. Genre.
C'est une des choses que je trouve chiante dans le jeu, c'est ce truc là. Franchement. Ce sont mes 7 dernières balles de sniper. Hein. C'est bon? Vas-y, sors maintenant, sors. The door's locked, I can't open it. Il arrive tous les problèmes du monde et c'est la plus chiante, franchement. Ah, je dis plus rien, je suis focus. Parce que si je tire dessus, elle meurt là, donc merci. Oh, ils sont encore 5000. Oh là 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 là. Pas ça, ça plutôt. La mitraillette, la TMP. Sur eux. Merci. Voilà. J'ai reperdu toutes mes munitions sauf le fusil à pompe et le pistolet. Mais j'ai toujours deux lance-roquettes et c'est le plus important. Vas-y maintenant, fuis, fuis, allez. Fonce. Merci. Et maintenant, on joue Ashley. Vous voyez ce que je veux dire, la game va être très très longue. Je sais pas ce qu'ils ont mis en professionnel pour Ashley. Il y a toujours un mob. Là-bas, je pense qu'il y en a deux. C'est trop facile d'en mettre un seul. Il y a toujours un. Hein. Ah, ça me va du coup. Tombe par terre le temps que je fasse ça. Vite avant qu'il arrive, vite! Quel est nul! Vite, plus vite! Je pense pas que j'aurai le temps. Ah, quoi que. Ça a tout juste le temps. Parce qu'ils sont lents, hein. Et c'est quand je blinde qu'ils commencent à aller vite. Hein. Ah, c'est pas là que je dois aller en plus. Bon, ça va, ils sont tellement lents que j'ai le temps de faire deux fois les retours, ils sont pas encore là. Alors, là on arrive sur le côté haché, elle n'a pas d'arme, elle ne peut pas se défendre, on est bien d'accord. Là pour l'instant, le seul moyen que le truc pour se défendre, c'est de jeter une lanterne, donc des coups de pied, des coups de poing, des coups de tête, mais rien du tout. Hop. Là c'est plus de la théo, enfin c'est plus de la logique. Et de l'esquive pour le coup qu'autre chose, après il peut pas faire autrement. Hein. Je trouve un autre gameplay que fuir et courir et faire des énigmes avec ça, genre. Tu ne peux pas. Ils sont beaux quand même ces chevaliers, hein. Enfin j'en ai vu un. Il y a plusieurs, ils sont beaux ces chevaliers, hein. Alors. C'est le moins un peu chiant.
Je devais avoir une technique pour le faire super vite, mais je ne l'ai pas. Si, il faut que je fasse comme ça. Non, comme ça. J'ai une partie. Faut que ça, je remonte de l'autre côté. Non, celle-là est bonne. Faut que je la mette à gauche, du coup. Donc, comme ça. C'est pas aléatoire, les gars. Attention. C'est pas du tout aléatoire. Non, comme ça. C'est juste que c'est pas optimisé pour le jeu, ok? Ça, je sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Du coup, là, on en est... Ici, on n'est pas trop mal. En tout cas, la pièce manquante est en bas à droite, ça c'est certain. Comme ça. On va y arriver, c'est sûr. On va trouver. Et du coup, faut que je sache si c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Nickel. Comme ça. Non, il faut que je remonte avant. Comme ça. Ça ici. Ça là. Tac, tac. C'est si long que ça va prendre quelques secondes. Comme je suis pas petit. Presque. Je sais qu'on n'est pas très loin du but en plus. Alors, je veux dire, ça se voit de toute façon, mais... Il faut juste que j'efface correspondre dans un bon ordre pour que ça passe. Là, il manque juste la pièce d'en haut de la mettre en bas. Allez. Non. On est bon. On est pas bon. J'y étais presque. Presque. Comme ça. Là, on a la tête, on a le haut. Non, comme ça. Ça va être si long, mon dieu, on va devoir tout couper au montage. Il n'y a pas de montage. Vu que c'est moi le monteur, je ne montrerai pas ça. On a encore à rien, toujours une pièce, hein, c'est chiant. Il reste à quelques instants, toi, on y est presque. Merci.
du premier coup. Sans stress, facile. On aurait pu faire plus de coups, mais pas moins de coups. On peut pas faire moins de coups que ça, en fait. C'est le minimum pour réussir le niveau. On est obligé. Je pense qu'ils vont mettre plus que d'habitude des chevaliers. Et il me force à prendre le... la lunette de sa forme. Oh, ils sont arrivés tellement vénères, les chevaliers. Un peu comme dans Tom et Jerry, là, les chats gangsters, quand ils s'avancent, là, comme ça. Pareil. Tranquillou. Faut penser que ceux derrière sont en train de me poursuivre toujours, hein. Ça, on s'enfuit. On les entend derrière, ils vont très vite. Ah, excusez-moi, je voulais te patienter un petit peu. Excusez-moi.
Need a boy, you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight.